Ne pas être à l'origine des dérèglements climatiques et en subir de plein fouet les conséquences, c'est un fait d'injustice absolument frappant. L'Afrique a une place singulière au niveau de la question du climat. C'est un continent qui est responsable dans le bilan global 2019 des émissions de gaz à effet de serre de 9%. Mais l'Afrique est à la fois le continent qui subit depuis plusieurs décennies déjà les effets des conséquences des changements climatiques en termes de vulnérabilité sur son territoire. À cela s'ajoute la difficulté de récolter les financements nécessaires pour mieux envisager l'adaptation du continent, avec une évaluation faite par le GIEC que c'est 3 à 6 fois le niveau de financement actuel qu'il faudrait driver globalement sur les questions d'adaptation et d'atténuation. La question de l'injustice climatique, elle vient très naturellement de ce constat. Aborder la question du climat, c'est se rendre compte qu'on croise énormément d'enjeux et que tous les fils sont liés les uns aux autres. Et bien réfléchir cette question et proposer des solutions, c'est absolument fondamental de le faire dans un état d'esprit où les solutions des uns ne deviennent pas les problèmes des autres.